regardez bien. Alors, je vais écrire une phrase et on va essayer de la lire ensemble, d'accord? Alors, qui lit? Alors, car... Hein? Smaël, tu suis? Karima. Karima. Alors, et... Attends, attends, Karima épluche. Très bien, la... La pomme. Point. Alors, la phrase commence par majuscule et se termine par point. Alors, Karima épluche la pomme. Alors, elle dit que Smiwa, une phrase. Elle dit que Smita, une phrase ou bien la phrase. Jumla. D'accord? Que Smiwa, la phrase. Une phrase. Alors, Karima épluche la pomme. Alors, je vais vous poser une question. Qui épluche la pomme? Qui? C'est qui? Qui épluche la pomme? Qui? Khalid? Khalid? Rachid? Qui? Qui épluche la pomme? Mais? Très bien, applaudissez. Karima. Très bien. Alors, Karima épluche quoi? Karima épluche quoi? Quoi? Madame. Karima épluche quoi? Épluche les oranges? Épluche la pomme de terre? Non, c'est pas la pomme de terre. La pomme de terre est le tata. Alors, épluche, nous qu'on épluche, épluche la pomme. Alors, épluche, qu'on alors, Karima épluche la pomme. Qui épluche la pomme? Même, je connais quelque chose de faire. Qui? Karima, très bien. Karima épluche quoi? Quoi? La pomme, très bien. Alors là, on va voir quelle action fait Karima. Karima, je ne sais pas dire. Hein? Épluche. Alors épluche est une action. Épluche ou un fil. Ni qu'à dire Karima. D'accord? Est-ce que vous avez bien saisi? D'accord. Alors qui épluche la pomme? Qui? Alors, mais qu'est-ce que c'est? Chauffe! Mais qu'est-ce que c'est? Elle qui? Il y a une personne. Le personnage, chars. D'accord? Alors, qui? Quand tu connais maintenant, l'ism d'il walad ou l'ism d'il vince. Voilà qui, ici, dans cette phrase, qui épluche la pomme? Qui? Karima. Très bien, voilà. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Quoi? Épluche quoi? Mada. D'accord? Quoi? Qui connaît un objet ou là? Quelque chose d'autre. Voilà qui n'a pas de nana. Quoi? Wesh, la pomme, tfaha. La pomme est un personnage. Wesh, tfaha, chars. La pomme, c'est chars. D'accord? Alors, épluche quoi? La pomme. Épluche la pomme. Alors, d'abord, je fais l'alaka bin Karima ou la pomme. Alors, quelle action fait Karima? Je fais l'alaka li katarbat Karima bla pomme. Ou elle a un kat. D'accord? D'accord? Il y a épluche. C'est l'action. D'accord? Épluche, il y a l'action. Il y a le fil. Je vais vous faire une autre phrase. Une autre phrase. Regardez bien. Ndiru matelan, papa re. Alors, qui dit la phrase? Alors, qui lit le premier mot? Sur le khalet Kaïma Oula. Alors, le premier mot, c'est facile. Très bien, applaudissez, bravo. Alors, le deuxième mot,
le deuxième mot. Alors le deuxième mot. Le deuxième mot. Tiens, Wakol. Très bien. Le troisième mot. Ainsi. Alors regardez bien. Asseyez-vous. Alors papa regarde un film. Alors c'est quoi cette lettre? Had la lettre, Adishnaya. Had la lettre. La lettre? Non, c'est pas J, c'est la lettre G. La lettre G. La lettre G. Alors G A se prononce Ga. G O G I J G E G U. Très bien. Alors had G hadi. Quand on a devant G, qui quoi on a devant A ou la O ou la U, ça se prononce G. D'accord? Mais quand on a devant U ou bien E ou bien Y, ça se prononce G. Alors papa regarde un film. Alors je pose la question. Qui regarde un film? Qui? Qui regarde un film? Qui? Qui regarde un film? Très bien, papa, bravo, excellent. Papa regarde quoi? Papa regarde quoi? Quelque chose, Baba. Papa regarde quoi? Un film. Non, c'est pas une. Un film. Très bien. Alors, quelle action fait papa? Quelle action fait papa? Très bien, regarde, c'est l'action. L'action, le verbe. D'accord? Et de maintenant. Qui, c'est papa. Regarde, c'est l'action. Regarde quoi? Je nous qu'il chauffe un film. D'accord?